Merde. Yay, 21 seulement. C'est déjà ça. On va envoyer du monde sur tout. Déployer. Je sais pas hein, si on arrivera à le récupérer, à le rattraper le train. On essaye d'aller un petit peu plus vite, mais bon. C'est vite fait quoi. Je vais pas aller chercher dans les trucs super loin. Collecte au point d'intérêt terminé. Le blocus? Ah merde. Jacob? Jacob est blessé, mais on a récupéré du bois. Jacob, il a l'infirmière pour lui tout seul. T'as quoi déjà comme trait, Vera? T'es bienveillante. Ah, c'est super. Vera, c'est le stéréotype. Intelligente et charismatique, ouais. Vera, c'est... c'est Nightingale, mais vu par les Japonais. Dans les animés. C'est ultra stéréotypé. L'impression qu'il y a un nouveau starter sur Ned, j'avais looté. C'est Nightingale, la... Alors, c'était une infirmière britannique pendant la guerre de Crimée. Et alors, je sais pas exactement à quel point, mais elle est créditée sur la mise au point d'un système d'infirmerie moderne. Et t'avais un très bon manga sur elle il y a quelques années. Mais du coup, on peut y aller, non? Ouais. C'est bon? C'est bon. Est-ce qu'on a quelqu'un qui bosse plus? On a Peter. J'ai oublié son nom. Attends, j'ai peut-être ça qui traîne quelque part. Ouais. Ça s'appelait Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita chez Kiun. Et c'était vachement cool. Du coup, ça te parle brièvement de la guerre de Crimée, mais très brièvement quand même. ça te parle un petit peu de Nightingale. D'ailleurs, c'est pas une leçon d'histoire, mais c'est franchement bienvenu. Joli extérieur. Ouais, c'est assez joli à l'extérieur et le dessin. Le dessin est un peu plus partageur, on va dire. Je suis un peu moins fan. C'est assez à l'ancienne, on va dire. Hop, il y a sûrement des extraits en ligne quelque part. Allez, on continue. Pas l'œil sur ce style. Bref. C'est pas mon préféré. C'est un truc que tu retrouvais beaucoup dans les productions d'il y a un moment. Et tu disais, la nourriture, c'est un peu léger. La nourriture, c'est un peu léger, mais heureusement, on en génère nous-mêmes. Parce qu'on a... On a Etchebest qui est là. Qui est censé avoir un... Ah bah, qui est censé avoir Jacob, mais Jacob, il était blessé, voilà.
Et en gros, on génère de la nourriture. On consomme 10 de nourriture et 20 d'herbes et on génère 20 de nourriture. Un cri interrompt le contrôle de routine du train. Il y a un autre blocus droit devant. Le soldat essaye de vous atteindre, mais son cri a alerté les autres qui se préparent à se battre. Des obusiers sont braqués sur le pont. Est-ce qu'on s'arrête? Quoi? S'il faut s'arrêter à chaque blocus, autant marcher? On n'est pas censé capturer le train d'or. Non mais les gars, si vous voulez foncer dans un train sous les tirs d'artillerie, c'est vous qui voyez, hein. L'un de vos soldats marmonne d'un ton sarcastique en préparant son fusil. Bon, on n'est plus à une ou deux grenades près. Arrêtons-nous là pour nettoyer la zone. Évidemment qu'on va nettoyer la zone. Comment ça, moins 10 au moral? Ah bah voilà, Amil, Camille, il est bien lui. Camille, quand il faut bousiller du communiste, il est partant. Faut charger à toute vapeur. Ouais, alors à toute vapeur sur mon train, c'est quand même vachement relatif. Hein. Taille des soies de recommander 5. Allez, Peter. Donc, on a nos deux tireurs d'élite, deux fusiliers, un grenadier et un healer. Cílem je zlikvidovat houfnice. Ale když si budeme pořád hlídat záda, nebudeme je moc přepadnout. Pas un pont trop loin. Nejdřív zajistíme ty mosty. Pak obsadíme nádraží a teprve pak půjdeme na ty houfnice. I tak to bude krvavá záležitost. Pokračujte nesmírně opatrně a využijte terénu ve svůj prospěch. Pozriem sa. Áno. Nepriateľ. Overím pozíciu. Pane? Pozriem sa. Jasná vec. Nepriateľa. Presne tak, pane. Ouais, ça, c'est pas trop sérieux comme blocus. Pour l'instant. Vaše rozkazy? Poslouchám. Groupe 2. Rozkazy, pane? 3. Jsem připravena. 4. Pripravený. 5. Podľa rozkazu. Podľa rozkazu. Pane, rozumím. Čekám, rozumím. Já se o to postarám. Dobře, jdu tam. Pane? Už idem. Здесь. Повидайте. Ничего, хорошо. Я се о то постарам. Ано, пане. Ано. Видим неприятеля. Подля розказу. Ça doit être un peu stressant comme combat à les marées quand même. Vidím nepřítele. Ah bah les cons, ils ont renversé un véhicule. Připravený. Preskoumám to. Ano. Vidím nepřítele. Ok, ici il y a un petit peu de monde. Jasná vec. Ah, il y a un peu de ressources ici, parfait. Mission d'armes de poing. Je pense qu'on commencera à les vendre aussi ces munitions là. Ah, sympa le nouveau commando.
Tu vas bien, Panda? Ano. Pozriem sa. Si t'as l'occasion d'essayer, enfin déjà il y a une démo qui est dispo si jamais tu veux le tester. Mais ouais, il est cool. Il est très très cool. Et puis bon, tiré d'une histoire vraie donc. J'ai un fier en mon petit sport, je me fais à manger. Ça ressemble à Commando. T'as deux aspects. T'as un aspect. Donc, tu joues la Légion tchécoslovaque. Qui est. Qui, alors attends, parce que j'ai un peu. Tu m'excuseras, j'ai un peu la flemme de me répéter en boucle. Voilà. Tu joues ces gars-là. Dans la section. Ah non, alors pas du tout. Si, c'est bon, le lien fonctionne. Dans la section expédition sibérienne. Et du coup, t'as un aspect gestion du train, de tes équipes, etc. etc. Et puis, t'as des combats tactiques qui font un petit peu vaguement penser à Commando, effectivement. Pane, už jdu. Som tu. Ano, rozumiem. Ano. Rozkazy? Ouais. Ano, pane. C'est une des grosses surprises de cette fin d'année pour moi. Ano, ça veut dire oui. Merci beaucoup. Pripravený. Pane, pozriem sa. Vaše rozkazy. Rozkazy? Zaujímam pozíciu. Parle à tout péter 40 mots en tchèque. Ouais, bon, des fois, il n'y a pas besoin de plus, hein. Pour comprendre les bases. Le seul allemand que je parle, moi, c'est l'allemand, l'allemand nomenclature blindé. Ça se limite à ça. Si c'est pas dans un lexique de l'armement ou un truc comme ça, je l'ai pas. Počúvam. Presne tak. Tam. Kto si asi? Pripravený. Overím pozíciu. Áno. Est-ce que tu peux attirer un ennemi après l'avoir déjà aggro une première fois? Toto by ho malo odlákať. Ouais. Oh, c'est pas craqué, tiens. Ano, pane. Rozumiem. Ano. Pripravený. Pozriem sa. Áno. Pozriem sa. Rozkaz. Ano, pane. Ano, presúvam sa. Non, on va les avoir à coup de fusil. Postaram sa o to. C'est pas grave, ça nous fera consommer deux cartouches, c'est pas. Pas trop grave. On devrait les récupérer. Je suis pas sûr de l'intérêt de capturer le pont routier par contre. Mais bon, si ça fait partie des ordres. La cause à effet. Pane. Máš to spočítané, chlapče. Predo mnou sa neschováš. Kto zdes? Som tu, presúvam sa. Ça c'est fait. Vaše rozkazy? Pozriem sa. Áno.
On va attendre qu'il y ait deux autres Gugus qui arrivent et puis tac. Hledám kryt. Pane, pozriem sa. Rozkazy? Áno, pane. Pripravený. Donc tu vois, Panda, c'est quand même un poil moins pointu que Commando. T'as pas de gestion des cadavres, t'as pas... C'est beaucoup plus léger là-dessus. Mais c'est contrebalancé par un aspect gestion qui est franchement intéressant. Et puis bon, pour une fois... Et ça fait du bien. Pour une fois, c'est pas les Américains, les Brits ou je sais pas quoi. C'est pas les Allemands en face. Enfin voilà, c'est pas la Seconde Guerre déjà, ça fait du bien. Pour une fois, on a quelque chose qui a, à ma connaissance, jamais été fait. En termes de milieu et de, d'événements. Vous retournez pas trop vite ou ça va faire bizarre? Ah. Au moins ils sont pas retournés face à des canons. Je pensais qu'on allait devoir faire le tir critique. Presouvam sa. Rozkazy. Ano, jdu do krytu. Povídejte. À mettre notre équipe de soutien en observation. Vaše rozkazy. Et c'est quoi ces trois? Ouais, contrôle 3 pour explorer. Zaujímám pozici. Rozumím. Počúvam. Preskúmam to. Áno. Pozriem sa. Považujte to za hotové, pane. Jasná vec. Preskúmam to. Pane. Pozriem sa. Považujte to za hotové, pane. Preskúmam to. OK, bon, ça a l'air léger à ce niveau-là. Áno. Už idem. Rozumiem. Pane, rozumím. Donnez-moi un petit instant. Vaše rozkazy? Il y a ma compagne qui vient de me ramener un tweet, mais alors je sais pas si c'est le vrai, mais ça a l'air d'être le vrai. Les gars qui ont sorti The Day Before, qui l'ont sorti le 7, apparemment le studio ferme. Ce scam là aura pas duré longtemps. Hein. Ah, ils ont perdu 70% de leur base de joueurs en 3 jours. On a investi tous nos efforts, ressources. Ouais, ça c'est pas dit, hein. Donc voilà, à voir si c'est un vrai tweet du coup. Le jeu vidéo, ouais, le jeu vidéo, ouais, c'est ça, c'est c'est ouais. C'est costaud. Et comme le disait un commentaire de... un commentaire Reddit, ils ont duré encore moins longtemps que Daedalic après la sortie de Gollum. Mais Daedalic, bon, c'est dommage que est fermé. Le jeu de zombies sans zombies. Le jeu de zombies sans zombies. Le jeu de monde ouvert sans monde ouvert. Le jeu... Le jeu qui a tenu aucune promesse, ouais. Le jeu qui est...
Il y a une petite chance pour que les gars étaient legit en disant ouais, on a fait ce qu'on pouvait, machin, machin. Mais ils ont été louches du début à la fin. Il y a rien qui semblait honnête dans leur démarche. Daedalic, ils ont merdé, mais. C'était pas un scam dans l'idée, tu vois. Somme tout, zaujímám pozíciu. Bon, le tweet que j'ai lu la mentionnait pas si les serveurs restaient ouverts ou pas. Je sais pas si si ça passe à un autre studio ou quelque chose. C'était une bouse, mais une bouse honnête. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire que t'es prêt et combien de temps déjà après sortir Jean version anticipée après avoir imposé un délai de plus de un délai d'un certain temps parce que soi-disant t'as oublié de commercialiser ton nom. Non mais ça a été un beau bordel de toute façon. On va essayer de choper ces deux-là. Mais c'est dommage parce que le dire si le allez fantasme total hein. Si le jeu avait tenu ses promesses même s'il arrive un petit peu trop tard sur le trope du monde ouvert zombie etc etc ça aurait pu être vachement cool. Ok, à ce moment là vaše rozkazy hľadám kryt. Ano. Musím se někam schovat. Štule to bylo. Jsem na cestě. Ano. Počúvám. Predo mnou se neschováš. Pane. Zameriavám. Jsem připravena. Zaujímám pozici. Bakažis, jsem tu. Skryjem se. Ano. Nettoyé. Pozdrím se. Petite blessure, mais ça va. Pane, mením pozíciu. Rozkazy? Áno, pane. Pripravený. Pozriem sa. Nepriateľ! Bis? On fait une attaque bis, c'est ça? Sont combien? Kryjem sa. Počúvam. Overím pozíciu. Rozkazy? Ils sont que 3. Bon, déjà, on va réduire ça. Rozumiem. Кто здесь? Покажись. Pane. Máš to spočítané, chlapče. Pripravený. Zaujímam pozíciu. Rozkazy? Gardez vos munitions. Pripravený. On va juste refaire la même chose dans 20 secondes. Kryjem sa. Rozkazy? Vrak! Mám ho na muž. Dobrá práce. Ano. Když jsou teď mosty zabezpečené, okay, pojďme obsadit to nádraží. Ah oui, d'accord. Ok. Vaše rozkazy? Bon, c'est parti, on a qu'à prendre la région hein, tant qu'on y est. C'est pareil, hein, ça c'est un truc qui est arrivé, hein, les gars sont... Les gars sont pas contentés de traverser le pays, ils ont pris les gares entre deux. Ah non.
Overím pozíciu. Presne tak, pane. Pane, pozriem sa. Vidím jasná nepriateľa. Vec. Pane, overím pozíciu. Presne tak, pane. Som tu. Rozumiem. Áno, pane. Nepriateľ! Áno, už idem. Počúvam, ta si množe. Pane, zaujímam pozíciu. Poď. Vaše rozkazy? Predo mnou sa neschováš. Rozkazy? Zameriavam. Áno. Áno, pane. Ça va être compliqué de prétendre être discret, là. Áno, pane. A priori, il y a personne. Pause de secours. Áno, pane. Tant mieux, ça comptera pour l'objectif. Počúvam. Overím pozíciu. Počúvam. Preskúmam to. Vidím nepriateľa. Rozkazy. Hľadám kryt. Pozriem sa. Ok, ça, ça a l'air d'aller. On va prendre nos fusillés pour infiltrer ce bâtiment. Vous pouvez vous planquer. Ouais, c'est pareil, tu te planques un petit peu. Alors, on a cette position qui est galère. Il faudra qu'on fasse une exécution. On a ça qui peut passer si on fait diversion. Victoire totale sur Nebs, ça fait du bien après une série de défaites. Rozkazy, postaram sa. Nepriateľ. Tu vois un procès avant. Rozumím. Ah, ils ont une alarme. Dobře, jdu tam. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Počúvam. Podľa rozkazu. Áno. Tiens, du coup, puisqu'il y a eu les jeux de l'année, etc. C'est quoi, vous, votre jeu de l'année? Je crois qu'on en avait parlé, mais c'était pas encore certain. Là, on est en fin d'année, il n'y a plus grand-chose qui va sortir, je pense. Už idem. Les jeux qui vous ont le plus marqué. Pripravený. Pozriem sa. Skyrim cette année. Pripravený. Preskúmam to. Peut réchauffer celle-là, non? Počúvam. Pozriem sa. Vidím nepriateľa. Ah, mais avec une fourche, ça faisait un petit moment. Poslouchám. Hľadám kryt. BG3. Pour moi, ouais. Mais oui, c'est BG3 qui a raflé le meilleur jeu de l'année. Si c'est un achat ou une sortie d'IA de l'année, ça compte, non? Comme tu veux, c'est le jeu que toi t'as préféré en 2023. Qu'importe la définition officielle ou ce genre de choses. BG3, oui, t'es incroyable, celui-là. Vidím nepriateľa. Ah. Áno. Il y en a un qui a entendu ce coup-ci. Áno, pane. Ah, si c'est un achat ou une sortie d'IA de l'année, ça compte. Oui, ça compte. Overím pozíciu. Rozkazy. Si tu fais partie des 5 joueurs qui ont jamais joué à Skyrim, oui, bien sûr. Moi, c'est clairement des Blue Split Command. Même si je l'ai pas fini encore. Ouais, pareil. Nikoho niet. Povídejte. Ja se o to postaram. Je suis juste un peu embêté là.
sur... parce que du coup, il y a Rogue Trader qui est sorti, et t'as pas mal de comparatifs entre Rogue Trader et BG3, ce qui est... Ok, c'est legit, c'est le même genre de jeu, etc. etc. Mais c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes équipes, etc. quoi. Et t'as des gens qui ont découvert le RPG avec BG3 et qui s'attendent à ce que ça devienne le standard. Ce sera pas le standard. Hein. Ça, je veux dire, Larian, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que Larian fait ce qu'il fait. Et ils le font, c'est tout. Ce serait beau. Ouais, ce serait beau, mais... Des jeux comme Pathfinder, tu vois, de All Cat, sur certains sujets, ils sont encore plus gros que BG3. En termes d'ordre de contenu, c'est monstrueux. Tu vois, en termes de mécanique, le Pathfinder de All Cat est beaucoup plus profond que BG3. En termes de mécanique. Après, c'est le bordel. Donc c'est... C'est vraiment deux jeux très différents. Oh, bonjour. Mám ho na muške. Počúvam. Pane, áno, pane. Máš to spočítané, chlapče. Oh, bah, ils vont sonner l'alarme. Ça coûte cher, il faut de l'expérience pour réussir. Ouais. Už idem. Počúvam. Áno. Áno, pane. Zameriavam. Nepřítel spustil poplach. Rozkazy, kryjem sa. Poslouchám. Hledám kryt. Vidím nepřítele. Áno. C'est moi ou tu dégoupilles une grenade? Kryjem sa. Zaujímam pozíciu. Presúvam sa. Pripravený. Mám ho na muške. Áno, myslím, že ten bol posledný. Skryjem sa. Ano, to by šlo. Jasná věc. Ano, pane, ano. Vaše rozkazy. De toute façon, soyons honnêtes, ça a pété au bout d'un moment. Je suis un peu trop fatigué pour l'infiltration. Připraven. C'est comme deux jeux de plateau différents, tu joues pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Rozkazy, pane, už jdu. Dire des performances comme des performances d'acteurs comme il y a eu dans BG3 là, avec notamment Astarion. C'est des gens qui ont donné vie au jeu, tu vois, la narratrice c'est pareil, elle est extraordinaire. D'ailleurs elle a une chaîne Twitch et elle fait BG3, je sais plus. C'est super cool. C'est des gens qui sont incroyables à suivre. C'est des joueurs incroyables, c'est des humains qui sont absolument merveilleux. Mais clairement, tu peux pas faire ça pour tout le monde. Après, est-ce que je préférais qu'il y ait un peu plus de voice acting dans Pathfinder ou dans les jeux All Cat? Ouais, carrément, surtout qu'il est pas mauvais. Zaujímam pozíciu. Mais bon, ça coûte un bras. Pane, to by šlo. Ce qui me gêne un peu plus dans les All Cat, c'est que... T'as jamais, ça va jamais à fond. T'as des lignes qui sont doublées et d'autres pas, même sur le même personnage. Pour ce genre de jeu, j'aimerais surtout une VF. Poslouchám. Mais ça sert à rien. Dire honnêtement, s'il y a des voix, déjà que ça coûte une blinde, garde-les sur une seule voix. Si après il te reste du budget, ouais, carrément. Mais sinon, c'est juste sacrifier ton studio pour rien, quoi.
Ça, c'est pour les obusiers, non? Donc, elle serait pas un peu énorme, cette mission? Bien. Hall 4 traduit intégralement ces jeux. Ce qui est déjà pas le... Ce qui est déjà pas si commun que ça pour les RPG. Il y a un RPG qui est absolument merveilleux. Attendez, je vous retrouve ça. Je crois que ça s'appelle Under Rail et pas Undertale. Ouais, c'est ça. Under Rail. Ça, c'est un jeu qui est absolument génial. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un énorme monde ouvert. Tu fais ton perso comme tu l'entends, etc., etc. Mais bon, outre l'aspect visuel qui est un peu particulier, qui marche très bien hein, quand t'es en jeu, c'est entièrement en anglais. Et du coup, c'est pas forcément super abordable pour tous. Bon, et il est très dur aussi. Mais si tu veux un RPG où tu fais ce que tu veux, où t'abordes le jeu comme tu l'entends, où tu peux aussi bien partir en technologie, à distance, magie, etc., c'est parfait. Un autre qui est sorti il y a pas longtemps, et qui est aussi en anglais, mais qui est très court, il faut une quinzaine d'heures apparemment pour le faire, c'est... Enfin voilà, c'est ça, vous avez vu après ce que ça donne. Alors c'est par les mecs qui avaient fait Décadence. The Age of Decadence. Iron Tower. Ils ont fait ça dernièrement. Il était en Early Access pendant un moment et là ça y est, il est sorti. En 15h, ouais. Et la grosse spécificité de ces développeurs là, c'est que t'es obligé de spécialiser ton perso déjà. Bon, dans celui-là, ils ont simplifié un peu la chose. T'as un mode de difficulté qui te permet de faire des erreurs. Mais tu peux complètement aborder le jeu soit en agressif, soit en pacifique. Enfin, t'as des chemins bien tracés. À tel point que Age of Decadence, par exemple, t'avais trois persos, je crois, ou trois archétypes. C'était la même histoire, mais avec trois points de vue très différents. T'avais le marchand, t'avais je sais plus qui, et t'avais le légionnaire. Fantastique ce jeu. Mais bon, voilà, avant d'avoir des voix VF partout, commençons par avoir des textes en VF. Vaše rozkazy? Už idem. Rozkazy, pane? Ano, pane. Rozumím. L'anglais, après, c'est pas un problème. Moi, je suis d'accord avec toi, mais objectivement, c'est pas vrai. C'est un gros problème pour beaucoup, surtout en France. Enfin, après, dans les autres pays aussi, je suppose, mais... Il y a une grosse partie du public français qui ne maîtrise pas suffisamment l'anglais. Ou qui apprécie pas de devoir se concentrer dessus, ou quelque chose comme ça. Ano? Ano, pane. Zaujímám pozici. Je veux dire, la seule raison pour laquelle ma chaîne fonctionne un petit peu, parce qu'on va pas non plus trop grossir le trait, mais c'est parce que je fais du wargame en français, tu vois. C'est ce qui attire le plus les gens ici. Parce qu'en France, le wargame, c'est... C'est 20 mecs qui font leur truc. Ah non, pas net. Pane.
Máš to spočítané, chlapče. Predo mnou sa neschováš. Kto zdes? Pakažíc. Javlčina! A skriem sa! Vidím nepriateľa! Som tu! Už idem! J'y repensais par rapport à ta question tout à l'heure sur les jeux de l'année. J'avais beaucoup aimé tes lives Bookwalker. Ah, c'était très bien ça. Presouvam sa. On a eu un paquet de bonnes surprises cette année. Hľadám kryt. Vidím nepřítele. Pour tout ce qui est slang ou expression, ça peut vite être chaud. Ouais, on va mettre tout ce qui est vocabulaire technique dans expression, du coup. Alors ? Truc tout con, hein. En termes mécaniques, tu vois, je maîtrise beaucoup mieux l'anglais que le français. Ano ? Ano, pane. Et l'ironie de la chose ne m'échappe pas. Vašer podľa rozkazu. Quand je vous ai filé mon lexique, là, terme technique allemand, c'est la VF qui m'a emmerdé. Idem. Kryjem sa. Rozkazy? Ja mu ukážem. Áno, pane. Tu fais des allers-retours, toi? Repose-toi bien, en tout cas. Merci beaucoup pour ce soir. Et c'était cool de tomber sur quelqu'un qui avait entendu parler de cet événement. Ah, il est au taquet pour... Rozumiem. Pour patrouiller, monsieur. Mais je suis une anguille. Hop là. Ok, ça marche. Podľa rozkazu. Pripravený. C'est les Zouchanka, ça limite la vision périphérique. Zaujímam pozíciu. Pripravený. Pane, pozriem sa. Počúvam. Preskúmam to. Nepriateľ! Oh, y'en a partout. Ano, už tu. Poslouchám. Čekám. Postaram sa o to. Vaše rozkaz podľa rozkazu. Áno. Kryjem sa. Áno. Kryjem sa. Áno. Pozriem sa. Vaše rozkazy? Presúvam sa. Som tu. Povídejte, hledám kryt. Počúvam. Vidím nepriateľa. Toi, tu bosses sur le camion, t'es pas dedans. Ok. Et là-dedans, par contre, je crois qu'il y a quelqu'un devant. Non. Ok. Rozkazy. Tasy množe. C'est parti. Pane, ja mu ukážem. Pripravený. Tasy množe. Počúvam. Ja vzglednu. Ja som to slyšel. Rozumiem. Un peu bizarre, ce qui vient de se passer. Ano. Kryjem sa. Počúvam. Zaujímam. Il y a Art qui m'a envoyé, d'ailleurs j'espère que sa santé va mieux à lui. Il y a Art qui m'a envoyé un screenshot de sa partie actuelle sur Shadow of Empire. Ano. Ou Shadow Empire. Presúvam sa. Oh. Je me fiche de ce qui sort en janvier. À moins qu'il y ait un super jeu de stratégie ou tactique, ou une super jeu Mili qui sort en janvier, on fera ça. On commencera Shadow. Ça a l'air tellement génial. Ano, preskúmam to. Rozkazy?
Počúvam. Dis pas ça, on va avoir tous les jeux qu'on attend depuis 2 ans qui vont sortir en janvier. Et s'ils sortent en bon état, prêt, tout le bordel est pas trop buggé, moi ça me va. Hein. C'est pas grave. Au pire, je passerai une semaine avec des... Enfin, un mois avec des perfusions de caféine dans les bras. La dame kryt. Hlavně potichu. Pane. Pas moi, j'aurais pas le temps de tout faire. Ah bah, de toute façon, t'as vu l'année dernière. Hein. Même en faisant 8 heures par jour, tu peux pas tout faire. Podle rozkazu. Ano, presouvam sa. Non, puis je préfère qu'ils prennent leur temps. Bon, même celui-là, c'est bon. Ils le prennent bien leur temps. Ça va. Allez vous planquer là-bas. Vaše rozkazy. Už idem. Pripravený. Preskúmam to. Áno, pozriem sa. Les deux jeux de bataille navale ont l'air sur la bonne voie d'après les tweets. Ouais, ouais, ouais. D'après les démos aussi, parce qu'on a eu la, on a eu une démo, alors qui n'était pas jouable, mais qui était visionnable, si tu veux, du jeu dans le Pacifique. En gros, les IA avaient leurs ordres, et puis le joueur pouvait juste changer les caméras. C'était magnifique. Et puis l'autre, on a eu pas mal de tweets, ouais. Quelques vidéos aussi. On jouera les soviets hein, sur celui-là. Ah non. Manor Lords, j'ai une très grande confiance en lui de ce que j'ai joué et les tweets. Ah, Manor Lords, c'est vendu. C'est quoi, c'est Mars? Tu joueras pas tout le monde. On commencera par les soviets. Už idem. Pripravený. Ta si množe. Pane. Ano, presúvam sa. Oblasti je čistá. Zaujímam pozíciu. J'ai un faible pour les visuels soviétiques. Sem pripravená. My bad. Ano, pane. Počúvam. Non, puis bon, c'est quand même l'époque où ils avaient tendance à prendre un peu moins feu que maintenant, donc... C'était sympa. Visuellement. Rozkazy, kryjem sa. Pane, vidím nepriateľa. Už idem. Pane. Počúvam. Hľadám kryt. Selon le nombre de missiles tirés, je garantis pas le moins de feu. Rozumiem. Bonne nuit, Acta. Repose-toi bien et merci pour ce soir. Tiens, toi qui suis un petit peu plus actualité navale que moi, t'avais vu l'accident. Enfin, le. Ah non, pas rien. C'était une frégate ou un. T'as un navire japonais. Un navire chinois, pardon. Rien à voir. Un navire chinois qui était en feu il y a quelques temps. Mais t'avais une version accidentelle et une version volontaire, genre un exercice. Non, t'as pas eu, ok. Parce que j'ai pas suivi finalement, c'était un accident ou si c'était juste un exercice. T'approches de la fin de Vaincre en mer. Ah, cool. Faudra qu'on en discute un peu pendant les vacances. Somme tout. Dernier truc que j'ai vu, c'était les Philippines avec 100 navires. Tiens, ça j'ai raté par contre. 100 navires de la... merde, les gardes-côtes. Ou c'est la Navy chinoise qui est passée. Pripravený. Rozumiem. Ja mu ukážem. Presúvam sa. Počúvam. Kto je zdes? Pane, ta si množe. Ah merde.
Áno. Máš to spočítané, pripravený, chlapče. Ako to mám urobiť? Ťapať ťa čo, tompet. Mám ho na muške. Počúvam! Skriem sa. Pripravený. Rozkazy? Mením pozíciu. C'est pas grave, on le mettra à l'infirmerie. Maintenant qu'on a le trait pour, c'est moins problématique. Kryjem sa. Sem pripravená. Mením pozíciu. Počúvam. Máš to spočítané. Pane, presúvam sa. Myslím, že ten bol posledný. Je viens de voir que 23 navires légers sont prévus d'être confiés à l'Ukraine par la Norvège. Norvège et les Britanniques du coup? Norvège UK? Ouais, plutôt quoi. Je crois les gardes... Ouais, après les gardes-côtes chinois, ils sont nombreux. Mais... Je sais plus si c'est pas un truc où en gros tu peux te... C'est un peu de tout et rien quoi. Rozkazy? Už idem. Tu sais le même avec le vendeur de bagnole qui tape sur le toit. Les gardes-côtes chinois, c'est un peu tu colles une mitrailleuse sur ton bateau de pêche et tu fais boum, c'est bon quoi. Kryjem sa. Postaram sa o to. Pripravený. Áno, pane. Rozkazy. Pozor. Máme hlášení, že v oblasti je odstřelovač. Když to půjde, sejměte ho. Ano. C'est léger, mais je veux pas dire inutile. Ouais, c'est ça. Mením pozíciu. Bah, puis ça fait de la masse, quoi. Zaujímam pozíciu. Bon, alors attends, parce que je fais pas mal de merde, moi, depuis tout à l'heure. On va se retrouver à devoir vendre des munitions de pistolet pour acheter des munitions de fusil. Pozriem sa. Zaujímam pozíciu. Áno. Počúvam. Preskúmam to. Považujte to za hotové, pane. OK, y a rien là-bas. Počúvam. Áno, pane. Pripravený. Mením pozíciu. Áno, pane. Presúvam sa. Pane, ta si množe. Podľa rozkazu. Rozkazy? To nejde. Ja mu ukážem. Postaram sa o to. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. OK. Áno. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? On a le sniper qui nous tourne le dos. Faudrait qu'on approche de ce côté-là alors. Ok. Ça va pas être terrible, mais c'est faisable. Résouvons ça. Presne tak, tam. Vaše rozkazy. Skriem sa. Počúvam. Pozriem sa. Pripravený. Áno, pane. Pripravený, postarám sa o to. Toto by ho malo odlákať. Počúva, presúvam sa. Vierno prividelos. Merde. Il s'est retourné trop tôt, ce con. Nie. Pane. Copain, tu regardes jusque où? Tu regardes jusque là-bas. Ok. Rozkazy. Donc si toi je te dis d'aller là-bas. Presne tak, tam. Pripravený. Hľadám kryt. Il est déjà reparti. Pozriem sa.
C'est un poil délicat à faire avec seulement, seulement une équipe. Toto by ho malo odlákať. Vaše rozkazy. Zaujímam pozíciu. Áno. Ja by pokľal sa. Počúvam. Skriem sa. S ním. Počúvam. Presne tak. Tam. Áno. Kažecia, jaž toto videl. Nikoho net. Rozkazy? Toto by ho malo odlákať. Si choqué plus proche? Pripravený. Kto zdes? Ah, il veut pas se retourner, ce con. Si ho čisto. Slava Bogu. Je peux passer de l'autre côté, non? Ouais, je peux passer de l'autre côté maintenant. J'ai pas deux fusillés qui peuvent faire ça, si. C'est... Ah, c'est ça, cette histoire de canon à eau. Ok. Ouais, le truc, ouais. Comme ça, c'est réglo.